Ça, je fais un petit miniature, un petit screenshot de mon mia là. Oh, ça c'était parfait. Ouais, oui, oui, pas con, pas con. Restez bien, viens de sauter. Quelqu'un vient d'être comme dans la paix. J'ai des stacks d'épines, restez bien collé à lui. C'est bon, il peut se puncher, c'est bon, il peut plus de pantalon. Il peut plus de pantalon, il peut plus de pantalon. Ouais, c'est moche, c'est Geekat. On se retrouve pour une petite nouvelle vidéo sur Senacraft. Alors les mecs, dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve non pas pour du gros PP full Volca, parce que ça c'était mon dernier rec, hein, donc si vous l'avez pas vu, hein, il s'affiche en haut à droite, hein, le clin d'œil, allez le voir, hein, c'est un très beau petit record. Mais on se retrouve pour du bon gros trapping montage à l'ancienne. Et puis du coup, pourquoi ce titre qu'on a appelé plus cancer, c'est très simple, parce que notre AP, sincèrement, je pense que c'est l'un des plus cancers du serveur. Si vous avez déjà été trap dedans, vous savez à quoi ça ressemble, ça sera des images à l'écran, super magnifique, on dirait un monteur pro. Mais bref les gars, c'est un AP très cancer, on était un des premiers à faire ce système-là, genre faire une deuxième AP derrière, parce qu'on a un petit peu enfreint, c'était pas enfreint les règles, mais presque, bref, on s'en fout. Mais du coup, on attrape énormément de gens dans ce tapé-là, et puis du coup, je vais vous laisser 2-3 records de ça, pour faire un petit best-of, un petit trapping montage. Ensuite, les mecs, on va passer au concours, donc dans les records, je vais gagner un grade empereur, donc 750 PB, donc bim, GG à toi, mec, contacte-moi dans sur Discord, en fait, il est dans la description, pour gagner ton lot. Et puis, nouveau concours, même chose, 750 PB, / grade empereur, donc pour participer, c'est très simple, faut liker, s'abonner, et puis commenter votre pseudo sur Senacraft. Bref, moi, juste avant de vous laisser avec le petit record sur Sena, en fait, le trapping montage, je vais vous laisser avec une petite présentation très rapide, vraiment, je pense que le record dure juste 2 ou 3 minutes maximum, donc je vais pas trop vous faire chier avec ça, c'est longtemps que j'ai pas fait de présentation dans des vidéos LP, mais du coup, voilà, c'est un serveur que je vais vous présenter, donc qui a l'air très, très fort sympathique en soi, donc je vais vous laisser avec la présentation tout de suite, sinon, ben voilà, et juste après, il y a le record, donc inquiétez-vous pas si vous voulez aller voir le record, allez-y. Moi, c'était Geekat, et puis je vous retrouve, je sais pas quand, dans environ une semaine pour une nouvelle vidéo, et puis sinon, si vous voulez, voilà, donc ciao les jeunes. Ouais les mecs, du coup on se retrouve pour une petite présentation de Fusion MC. Vous connaissez peut-être déjà le serveur, donc en gros il est déjà ouvert depuis un petit moment déjà, il y a eu plusieurs présentations il y a quelques jours. Et puis en gros ils ont essayé de refaire un petit coup de pub parce qu'ils ont fait de nouvelles mises à jour et en plus il y a le clan des AP qui se passe ce week-end. Donc voilà, je suis là pour les aider. Premièrement, toutes les infos sont en deck, donc premièrement l'IP, leur Discord, leur Twitter, etc. Donc d'ailleurs, parlant de l'IP, comme vous avez peut-être remarqué, ben c'est un serveur Vanilla, mais même si c'est Vanilla, inquiétez-vous pas, il y a un paquet de nouveautés. Je vais vous en montrer quelques-unes. J'aurai pas le temps de tout montrer de A à Z de serveur, vraiment pas le temps, mais vraiment le serveur vraiment sympathique avec ce que j'ai vu. Bref, dernière chose à vous dire avant de passer à la présentation, en fait, il y aura un giveaway juste avant le claim zappé, donc une heure à l'avance. Donc même si vous voulez commencer ça maintenant et que vous n'avez pas de ça pour le claim zappé, inquiétez-vous pas, vous pouvez venir, il y aura un giveaway, ils vont give des kits, etc. Pour qu'il y ait du PVP, donc inquiétez-vous pas, vous pouvez venir tout de suite sur le serveur. Bref, on va commencer par une petite nouveauté, je trouve, la plus sympathique, personnellement, bah, en fait, pour les farmers, ils vont bien aimer ça. Donc, c'est un PNJ farmer. Donc, en gros, c'est très simple, vous allez le poser, et dans une zone, en fait, il va récolter tout ce qu'il y a. Donc, admettons, là, on fait pousser des carottes, il va récolter automatiquement les carottes tout seul, et puis c'est lui qui va les récupérer. Donc, là, j'en ai récupéré, mais comme vous pouvez voir, c'est lui qui récupère aussi. Donc, ensuite, quand vous faites le droit dessus, vous pouvez faire, bah, vous pouvez, en fait, récupérer les carottes, vous faites tout récupérer, et puis aussi, vous pouvez reprendre votre œuf. Donc, personnellement, je trouve ça vraiment stylé. Donc, faire ça sur un Vanilla, bah, je trouve ça cool. En gros, bah, c'est juste faire des farms automatiques, vous avez peut-être trouvé ça con, mais moi, je trouve ça stylé. Ensuite, deuxième, pour éviter les trappes, t'as des TNT buggy, en fait, c'est comme une sorte de dynamite, mais les blocs réapparaissent après. Donc, ça fait péter une grosse zone, après un petit temps, donc à peu près 5 secondes, mais du coup, ça vous permet de back, lancer une perle ou un truc genre, et après un petit temps, tout réapparaît. Donc, moi, je trouve ça quand même assez stylé, hein, comme petite dynamite. Ensuite, t'as le site de téléportation, donc ça permet de TP à la personne qui t'a mis en combat. Donc, admettons que t'es trappes dans un 1x1, donc par exemple, ici, oh fuck, il y avait un trou, je vais mourir. On va dire que vous avez rien vu, mais bon, ce que je disais, c'était, admettons, vous êtes trap dans un 1x1, et puis, bah, pas dans un 1x1, du coup, il y a un mec qui est en train de vous farm, vous faites clic droit là-dessus, et ça vous TP directement à la personne qui vous a mis en combat. Donc, personnellement, je trouve ça quand même assez stylé. Ensuite, pour le minage, t'as une pioche à rayon X. Donc, ça, vous allez vous demander ce que ça fait. C'est écrit dessus, il permet de trouver les minerais aux alentours. Donc, admettons, vous êtes en train de miner, c'est écrit juste en haut de moi, le diamant est à combien de blocs. Donc, admettons, là, on essaie de trouver le diamant, mais moi, je sais déjà où j'ai testé tantôt. Mettons, là, vous menez un bloc ici, vous dites qu'il est à 6 blocs, vous menez un bloc par là, il est à 4 blocs, et puis ça monte de tous les côtés, ça peut être en haut, en bas de vous, etc. Tout, il y avait du diamant juste ici. Maintenant, vu que j'ai tout miné le diamant dans la zone, si je continue, ben, ça dit qu'il était à 20 blocs. Donc là, j'ai essayé de chercher. Mais vraiment, je trouve ça quand même un ajout. C'est la première fois que je vois ça. Donc je trouve ça super sympathique, perso. Ensuite, qui dit nouveau serveur, dit nouveaux mobs. Donc là, il y a des spawners à hacker sur le serveur. Donc en gros, c'est des nouveaux mobs qui vont permettre de loot des objets en fait rares. En fait, ça va être des nouveaux objets et des trucs genre, ben, des trucs rares sur le serveur. Donc ça va prendre un spawner zombie. Mais comme vous avez vu, c'est un spawner à hacker, ça s'appelle. Donc bon, je vais essayer qu'il y en ait un autre qui spawn. Puis en plus, il y a aussi des nouveaux boss aussi qui m'a fait de montrer vite fait. Là, j'ai pas de boss sur moi. Mais en
en gros, voilà, c'est un boss assez dur à tuer qui va spawn, c'est une sorte d'event, quoi. Bref, moi j'ai déjà fini la présentation, donc j'ai vraiment pas eu le temps de tout vous montrer. Comme j'ai dit, vous faites ça chez Wiki, il y a un paquet de nouveaux items, il y a, ils ont pas tous, mais un paquet de nouveaux items craftables, donc vous cliquez dessus, et puis vous voyez comment crafter, admettons, une potion du combattant, ça permet de PVP, ça se craft comme ça, et puis ensuite, voilà, vous avez tous les wikis pour tout craft, donc bonne chance ensuite le serveur si vous voulez venir. Ensuite, pour tous ceux qui vont venir jouer, je vous fais gagner le grade Master, donc c'est le meilleur grade du serveur, donc pour participer, c'est très simple, faut liker, s'abonner, puis commenter votre pseudo sur Fusion MC, et dans votre commentaire, écrivez Fusion MC. Du coup, bah, bientôt, je vais faire le résultat sur ma chaîne, le résultat du concours. Et puis vous courez la chance de gagner du coup un Grandmaster, je l'ai déjà dit, donc likez, s'abonner et puis commenter avec vos pseudos sur Fusion MC et puis vous écrivez Fusion MC. Bref, moi je vais avec Cinecraft, donc c'était Kitkat, et puis ben voilà, donc ciao ciao les jeunes. Salut mon stage de VG, on est mort. J'étais plus Kitkat TPS s'il te plaît. Merde, je suis pas la mauvaise personne, putain, vas-y TPS. Deux secondes, c'est bon. À toi, cadeau. Ah mais ils ont tous back, ils commencent déjà back. Non, il y a encore un KO. Ouais. Comment il a pu aller low? Oh le bâtard, oui. Non, c'est easy back là. Ouais, en fait ils sont tous stackés, ils sont tous... Oh, tu... oh nice. Je sais pas ce que t'as fait gros, mais t'as géré ça. Oh non, on est que sa mère. Bon, y'a un mec qui a pris dégâts de chute sévères là par contre. Oh y'a des perles, y'a des perles qui ont tombé. Avec ses perles, oh l'enculé, oh, c'est vraiment... Ah c'est easy en plus. C'est easy le BG. Pourquoi j'ai des perles qui se mettent dans moi? Pourquoi je me tape tous? C'est quoi leur serveur? C'est critique en fait, c'est quand y'a quelqu'un qui tape avec critique, ben ça t'affiche. Ok, ça te met sur toi genre. Ouais ouais. Easy bogus. Tu pites, ok, je pensais que t'avais un HP gros. Non, oui, c'est pas back. C'est pas back ce teubé. Oh, mais lui, c'est lui qui, faut, qui me faut le provoquer. Il y a un mec en haut. Toi, j'ai le debuff. Il est poison 2, là. Il est poison 2, il prend cher là. Il veut TP sur, je crois, les gars. En fait, faites attention. Ouais, TP sur. Ouais, y'a un gun ou stuff. Oui, il peut. Pourquoi il pourrait pas? Il peut, ouais. Je sais pas. Toi, je prends une petite miniature, un petit screenshot pour ma mia là. Hop, ça c'était parfait ça. Beau petit screen là, mon bout. Ah ouais, viens, t'as. Les gars, son pote il va sauter. Dès qu'il va broc son pote, il saute. Obligé. Ah, c'est pour ça qu'il décalage. Bah, tant mieux qu'il saute. Mais non, non, parce qu'il va préperle. Il va préperle. Ouais, mais du coup, nous-mêmes, il faut essayer de récup. Moi, je vais drop 2-3 heal là, bim. Ah, y'a broc, y'a broc. Ah, il est mort. Ça va sauter, ça va sauter. J'ai que plastron, j'ai que plastron, j'ai que plastron. J'ai eu plastron. J'ai eu bot, j'ai eu bot. FCP, j'ai Jay-Z. Fils de pape. Lui les gars, pour que je ne comprenne pas, ça fait 3 jours il me full provoque en Warzone. J'ai un record, si j'ai pas la flemme au montage, je vous mettre un petit screenshot où il dit genre oh KitKat, t'as pris le L, je sais pas quoi, alors qu'il est en 7-20, bref, on s'en calisse. Bien fait pour ta gueule, petit fils de maman. Respectable. Donc je vous laisse un autre conseil. Attends, je vous laisse. Il y avait double stuff. Mais non, mais le premier qu'on a kill, on en a kill un. Ouais, moi j'étais pas là. Chris, mais j'ai comme 8 stuff sur moi. Bah, non, sur les kills. Ouais, mais c'est pas tout ça qu'on a kill. Bref, bon, ben moi j'étais pas là, mais bon, ça fait plus genre stuff. En bref, GG 1v1, hein, GG 1v1 les gens. GG 1v1. C'est vrai qu'il y a Pivolka. Oh, 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 j'avais pas de chance. Attends, je suis en j'avais pas de chance, il y en a un. Ouais, je le vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais il me suit pas, il me suit pas dans le deuxième, il back instant, fait que bon. C'est pas grave, mais bon. Il est peut-être pas capable, mais là, il faut le panique là. On peut tuer les mobs en Warzone ou pas? Les mobs? Ouais, full. Ouais, parce que je vais prendre plein de chiens et puis je. Non, non, tu peux les tuer comme tu peux les serveurs. Non, sur Vulgaria on pouvait pas se faire tuer avec. On bouge ou pas? Non, il est pas capable, on a pas le droit de boucher gros. L'eau? Non, il y a un no-fall, il y a un no-fall. Mais plus tard on pourra le faire s'il reste longtemps. Oui, certain, tantôt. Non, bouge pas, Will, bouge pas, sinon il va s'en attendre. Je suis certain qu'il y a un no-fall. Ok. Quand il est tombé, il l'avait. Et puis il est pas tombé dans l'eau, puis il a pris 0 dégâts, puis il a pas perle. Tiens, comme là, il a rien pris encore. Mais à un moment on va le faire s'il reste longtemps dans la paix, puis encore masse perle, exemple, ça fait qu'il redrop des perles à un moment donné, il a réussi. Oh, moi qui est con. Ah non, il est pas capable gros. Il remonte tout en haut. Il a plus de perle, je crois. Il a fini un stack, ça c'est sûr. Oh une perle! Y'a un mec en haut de la paix gros. Quelqu'un en haut de la paix? Trois pièges. 7, 5, 4. J'en ai un aussi. Il a plus no fall là, il a plus no fall. Bah s'il retourne dans l'autre, tu peux pas boucher. Comme looté, viens voir. C'était sûr qu'il y a plus no fall? Mec, y'a un mec en haut de la paix gros, j'allais d'Alcabir. Oh putain. Bah oui, vas-y, c'est sûr. À deux, on peut en. Je fais genre je le tape. Ouais, oui, pas con. Restez, mais quelqu'un vient de sauter? Y'a un autre gars! Quelqu'un vient d'être combien dans la paix? Non, je m'en occupe. Attends, je mets claque faire résil vu qu'il y a plus de gens. Je vais voir en haut de la paix quand même parce que. Attends, j'ai headshot Rasta, je sais pas quoi. Ouais, t'inquiète, on peut pas. L'autre, y'a back. Ouais, déjà. Quelle base? Non, y'a là. Bah, focus l'autre, moi je focus Rasta. Bon. Ok, y'a plus personne en haut. Tu veux stuff ou pas? Bon, bah, essaye d'armer dans. Moi je m'occupe de l'autre devant, bon. C'est bon. Y'a un autre gars sur team, y'a un autre gars encore! Attends, je t'ouvre les portes là, amène-le ici, Kitkat. Y'a des gens dans la. Oui, plusieurs, mais t'inquiète, on gère. Regarde le chat. C'est toi le compte ouvert, moi je m'occupe de lui. Oh, bah, je mets cet homme, je vais déplier plus loin aussi.
Y'en a combien ici? Y'en a deux ou un? Y'en a qu'un seul, je crois. Non, y'en a deux, l'autre est là, l'autre est là, y'a une épée volcan. Non, je suis trop con. Ok, c'est bon, il l'avait perdu. Parce que j'ai fait rouvrir. J'ai TP légende. L'autre devant, on le laisse tranquille, l'autre tout seul devant. Ou je vais Non, va le taper, Will. Ou vas-y avec les gens, au pire. Bah, les nantes, non, moi, les nantes, fight. J'ai 500 de dur à moi. Bah, moi aussi, seul problème, je peux pas aller solo en devant. Bah, en fait, il fallait juste essayer de back, je crois. J'ai bien manqué, j'aime pas. T'aimes pas grand monde, j'ai l'impression. J'aime personne, moi. Y'a pas un cheat, les gars. Mec, il a ressorti le maire. Celui de devant est ressorti. Restez bien sur lui. J'ai des stacks d'épées, restez bien collé à lui. C'est bon, il peut plus punchy, c'est bon, il peut plus de pantalon non plus. Allez, pendant lui, c'est bon, il est mort. J'arrive. Mais déjà, il a eu les deux kills, c'est mort. Il y a des bots là. Je place 30. Mais ouais. J'ai des bots non ruinés. Ah, il y a le casque ici. Ouais. J'ai le casque ici. Ah, j'ai eu bot non ruiné. J'ai eu place 30, j'ai un bien.